Fidèles téléspectateurs, bienvenue à ces numéros, à ces nouveaux numéros de votre magazine Santé et Société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent. Il s'agit d'une maladie métabolique, à l'instar de l'hypertension artérielle. Mais pour décortiquer les sujets, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec une invitée que vous aurez le temps de découvrir car elle va elle-même se présenter. Et avec elle, nous allons décortiquer les sujets. Elle va répondre à quelques questions pour nous donner les détails par rapport à cette pathologie qu'est l'hypertension artérielle. Bonjour et bienvenue sur ces plateaux, docteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'intention de nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Merci, madame la journaliste. Merci, chers téléspectateurs. Je m'appelle Dr Shadi Marisha. Je suis médecin du gouvernement congolais. Et dans les cas échéants, je suis activiste des droits des femmes. Je suis communautaire. Et c'est dans ce cadre que je coordonne une structure dénommée AFI Santé. C'est l'association de femmes des institutions de la santé. Là, nous voyons le médecin, les infirmières et voire même les administratifs, le paramédical, toutes les femmes qui œuvrent au sein des hôpitaux. Ok, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et ce n'est pas d'ailleurs, je signifie à nos téléspectateurs, que ce n'est pas la première fois que nous recevons le docteur Shadi Marisha sur ses plateaux. Avec elle, on a eu à tourner d'autres émissions. Aujourd'hui, encore avec elle pour parler de l'hypertension artérielle. Oyo na cité batebele ba bengaka tension. C'est na docteur Nde Tokoyeba, différence c'est anini, hypertension artérielle, tension, hypotension, tout ça, on va essayer de décortiquer avec les docteurs. Aza wana aza expérimenté, aza mutwasa laka déjà sur terrain, aza aebi makambwebele par rapport à sujet oyo. Alors docteur, j'aimerais en premier lieu, donc on commence par donner à nos téléspectateurs la définition de l'hypertension artérielle. Comment est-ce que vous pouvez définir ça? Oui madame, c'est comme vous avez dit à la cité, c'est une maladie qui est communément appelée la tension, montazan la tension. C'est pourquoi nous voulons quand même expliquer un peu avant de définir l'hypertension, ou peut-être notre petite explication va directement faire comprendre à nos téléspectateurs l'hypertension c'est quoi. Généralement, le corps humain a besoin de se nourrir. Et c'est le cœur, à travers les artères, certains vaisseaux que nous appelons les artères, qui distribuent les sangs. Alors, le cœur, lorsqu'il se contracte pour envoyer le sang, pour aller nourrir les organes avec l'oxygène et les éléments nutritifs, lors de cette contraction du cœur, nous avons la systole. Et lorsque ce cœur se relâche, nous avons la diastole. Et les deux mouvements donnent un chiffre. La systole, dans les conditions normales, est autour de 120 mm de mercure et la diastole autour de 80 mm, avec des limites supérieures jusqu'à 140 sur 90 mm lorsque le sujet devient âgé, lorsque la personne est avancée en âge. Et allez-y comprendre que dans les conditions normales, tout le monde a la tension. Contrairement à ce que nous pensons à la cité, la tension, c'est cette pression normale que le sang passe dans les artères vers les organes. Allez-y comprendre que lorsque ces chiffres sont au-delà de 140 sur 90 ou 120 sur 80, vous allez trouver quelqu'un qui a une tension à 170 sur 120. Là, directement, nous comprenons que c'est une hypertension, c'est-à-dire une tension élevée. Cette tension peut connaître aussi l'autre extrême, ce que nous appelons l'hypotension. C'est lorsque c'est en dessous de 10 ou de 100 sur 80, 100 sur 70, vous allez trouver quelqu'un avec une tension de 60 sur 40 mm. Là, nous parlons de l'hypotension. Docteur Limbola, un peu dans la partie où on a bien. Tension. Tension, nous tenions sois en attention. Parce que mon thème, je suis en train de dire que je maman Bibiche. Pour. Makila wana ekende ko leisa misunyi ba organe na biso ezo tinda mwa pression. Il faut tindika makila na pression moko. Pression wana ndeto benga ka tension.
pression en les amabité. Pour ce qui est moyen, nous autres, il y a exacté. Mais ce qui est pression, on a compte tenir, il y a pas raison, mon côté, limbo là tout au long, il y a émission en abisso. Et ça, la quelque tension, on a économie, qu'on est dans le bango, ma casse. On a dit au bengi, hypertension. Ok. Voilà. Donc, bah, et yo qui bisogno soa, tension, bisogno soza na tension. Mais tant que le chiffre est net, il y a une normalité, il y a une hypertension. Oui, docteur, est-ce qu'on peut connaître les causes de l'hypertension? Parce que tout ça, tout ça, tambola, la cause de l'hébi, c'est sûr, et ça est belé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques causes de cette pathologie? Scientifiquement, dans 95% des cas, les causes sont méconnues. Malgré que nous incriminons plus l'hérédité, ainsi de suite. Mais on peut beau chercher, et dans 95%, les causes sont méconnues. Mais quelques rares cas, nous incriminons la maladie de rein, la maladie de surrénale. Bon, on les a pas organes et en autres, hein? La maladie du rein, certaines maladies de rein, certaines maladies de surrénale et de la thyroïde peuvent entraîner l'hypertension. Oui, à 95%, vous venez de le dire, les causes sont méconnues. Mais maintenant, comment connaître ces causes-là pour éviter l'hypertension? Oui, le fait que les causes sont méconnues, on ne peut pas croiser les bras. Oui. Nous avons contourné cet obstacle en cherchant les facteurs aggravants. Et par rapport aux facteurs aggravants, lorsque nous observons ce facteur aggravant, nous évitons directement ces causes dont... Nous avons du mal à connaître. Est-ce qu'on peut connaître ces facteurs aggravants, docteur? Oui, pas en ordre, hein. nous allons ramasser de façon dispersée. Mais nous incriminons plus les sels. Oui. Mungwa. Pourquoi nous incriminons les sels? Ce n'est pas n'importe quelle quantité de mungwa. Parce que dans les aliments, Dieu, comme il est scientifique, il est médecin, il est pharmacien, Dieu a mis une quantité bien donnée de sel dans nos aliments. Et pour des raisons peut-être yakobongisa goût, on ajoute un peu de sel commercialisé pour améliorer les goûts. Mais lorsque vous ajoutez ce sel de façon exagérée, de façon débordonnée, vous exposez à faire l'hypertension. Si le terrain est aussi prédisposé. Et pourquoi le sel? Parce que, donc, qu'on peut cet exemple, le sel fait appel à l'eau. On fait appel d'eau dans les vaisseaux, dans les artères. Donc, on a rambou la souké et béti et balé ça la canine, maman bibiche. Et mataka. C'est quoi autant que maille et cotine et balé, pression pe et comme coquin de ma casse. Yangwana mungwa et benga ka maille na ba vaisseau. Dango maille et comme wana, baramoko pression ou tension et mati. Yangwana, tozo linga, koye bisabato ke kolia mungwa et sa ma bété, mais de façon exagérée. Nous avons la deuxième condition, la deuxième raison pour tout le bien, la cause comme telle, mais un facteur aggravant, c'est l'alcool. Nous voyons partout actuellement, il y a modèle nyonso, il y a l'alcool. Modèle nyonso, il y a l'alcool et bimi. Nous disons que l'alcool entraîne une fausse énergie. C'est-à-dire, avec le temps, l'alcool ou ane koki koti a ba graisse. Nakati anzoto na biso et tango bagresse wana ezo kota na nzoto ezo landama tina misisa et le vaisseau, lorsque vous avez un excès de graisse dans le vaisseau, notamment dans les artères, la lumière ou les rayons de ce vaisseau sont diminués, ou est diminué. Et lorsque la lumière est diminuée, nous donnons toujours l'exemple, ce qu'on finit robinet à maille, ou bien tio à maille, ce qui lumière n'ango wana au condici, ou comment na maille bimaka avec pression. La même chose, tous à référence wana, lorsque lumière et artère est diminuée na bak excès à graisse, pression wana est mati, et c'est ça l'hypertension, et entraîner élévation et tension. Donc, au cas où exemple, moussous, maman bibi, chale stress. Actuellement, on nous dit partout, les gens ont de l'hypertension, tout ça, c'est ce que nous appelons. Mais le stress, lorsque nous avons le stress, surtout de façon permanente, vous avez des stress et des stress, la présence de ce stress entraîne la sécrétion d'une substance que nous appelons catécholamine.
Et cette catécholamine fait une vasoconstruction, c'est-à-dire à condi sa calimière et à moussissa. Et allez-y comprendre, comme nous avons donné l'exemple de Thio, lorsque le vaisseau, la lumière du vaisseau est réduite, pression est mataga, tension est mataga. C'est pourquoi vous voyez, avec nos conditions actuelles, il y a trop de stress et il y a trop d'hypertension. Nous avons encore les sédentarismes. Les sédentarismes mutavandi. Tokomi kaka, olamuki, ozali boso ya télévision, biso ba mama, ozali boso ya ba novela, c'est mama bibisha. Ou bien nous, les papas, lorsque vous êtes à la maison, vous n'avez même pas le temps de faire un peu de marche le week-end ou le dimanche, vous ne brûlez pas les graisses. Et vous êtes devant l'écran télévisé, vous entrez dans votre, à bord de votre voiture, vous arrivez au travail, vous êtes devant votre ordinateur et vous n'avez pas le temps de brûler ces graisses-là. Et vous voyez que le trop de sédentarisme peut entraîner l'obésité et l'obésité peut entraîner cette hypertension. En même temps, l'obésité aussi, c'est l'un des facteurs aggravants de l'hypertension. Docteur, est-ce que le diabète aussi peut-être peut faire partie de facteurs aggravants? Parce que souvent on voit Moutou, Azana, diabète, Soudi Bolandel, Azapene, hypertension. Donc, malade, oui, chez nous, en médecine, nous disons que ce sont des frères jumeaux. Ce qu'on bandit la tension, il y a risque que Okoma na diabète et vice-versa. Ceux qui ont un diabète, et ce n'est pas n'importe quel diabète, c'est le diabète sucré type D, parce que ça, nous l'appelons diabète gras. Je pense que nos téléspectateurs ont compris que partout où il y a la graisse, partout où il y a cet excès de graisse, il y a la réduction de la lumière des artères et il y a l'augmentation de la pression, l'augmentation de la tension artérielle. Et c'est ça l'hypertension artérielle. Avec le diabète sucré, c'est un diabète gras, c'est un sujet obèse. Il y a la facilité d'obstruer le vaisseau et d'augmenter sa tension artérielle. Est-ce que les médicaments aussi peuvent faire partie des... de cette catégorie des facteurs aggravants? Oui, nous avons quelques médicaments. Nous n'allons pas citer toute la liste, mais nous pouvons prendre, par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous pouvons prendre les médicaments que nous appelons les glucocorticoïdes. J'ai pris peut-être juste les deux exemples et je voulais insister un peu sur les glucocorticoïdes, maman Bibiche, parce que c'est ce qui est à la hine, à la cité, les dexaméthasone. Ce que les jeunes filles prennent communément, il y a beaucoup de noms. Pour bakoma na basimateri, bakoma minene, moi si ndenzoto, tout ça. Alors que nous avons vu que l'obésité ne se limite pas na simateri, pas ma maman bibisha. Et ils ont contacté na misisa na biso. Et vous allez prendre, moi j'ai vu les filles prendre bazo bakape na badexamethasone wana, pour baya minene, simateri ezonga. Et à la longue, ces filles-là, lorsqu'elles seront peut-être dans les ménages, tout ça, elles seront grasses. Aujourd'hui, les balles, oui, mais tant que vous avez des conditions, vous avez des conditions, vous avez des conditions, ok, docteur, merci beaucoup pour les détails aux opé sabiso. Est-ce que le bon âge, oui, sexe, âge? Oui, avec l'âge, nous avons dit que surtout à partir de 60 ans, il y a augmentation de la tension. Là, nous voyons, et ça, le coup, là, hein, mais si c'est l'ennemi, hein, il y a l'artérosclérose, mais si c'est ça, les sous moussala n'ango bien, il y a possibilité d'avoir l'hypertension. Et le sexe aussi, c'est un facteur. Mais dans la littérature, qu'est-ce que nous observons? Avant peut-être l'âge de 50 ans, c'est plus les hommes qui ont de l'hypertension. Ouais, ça, c'est avant 50 ans. Avant l'âge de ménopause chez la femme. Okay. Il y a plus, on observe plus de cas d'hypertension chez l'homme que chez la femme. Pour cause, la femme a des hormones qui la protègent contre l'hypertension, les estrogènes essentiellement. Mais après un certain âge, au-delà de 50 ans, la femme entre en ménopause. Et là, il y a égalité devant le risque de développer l'hypertension. J'ai toujours eu à me poser des questions. Les hommes ont plus l'hypertension. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont plus stressés que les femmes. Peut-être les responsabilités. Les responsabilités, ainsi de suite. C'est pourquoi, bon...
c'est pas prouvé, mais nous sommes en train de supposer que vu tout ça, c'est ce qui pourrait expliquer qu'il y ait trop de survenir d'hypertension chez les hommes que chez les femmes avant la ménopause chez la femme. Oui, est-ce que vous pensez avoir ramassé, vous pensez que nos téléspectateurs ont compris un peu les facteurs aggravants par rapport à ce que vous venez de citer, ou vous avez encore quelque chose à dire? Oui, moi je pense que grossièrement, tout ce qui pourrait entraîner un excès de graisse, tout ce qui pourrait entraîner la diminution de la lumière des artères, parce que c'est les artères qui sont concernées dans l'hypertension. C'est pourquoi on appelle même ça l'hypertension artérielle. Parce que ba veine ba tindi ka makilate, ba veine ba zana musala na bango mususu. Mais ce sont les artères qui propulsent le sang. Ce sont les artères qui entraînent cette tension de sang. Voilà pourquoi tout ce qui est facteur aggravant, tout ce qui est facteur prédisposant à endommager ces artères-là sont des facteurs que nous pouvons facilement éviter, et même si la cause n'est pas connue, à travers ce facteur, nous pouvons indirectement éviter ces causes méconnues. Fidèle téléspectateur, vous qui venez de nous prendre à court, nous sommes en train de parler de l'hypertension artérielle, et sur ces plateaux, nous sommes avec le docteur Shadi Marija, qui est coordonnatrice d'AFI Santé, une structure qui regroupe les femmes des hôpitaux, toutes catégories confondues, et c'est avec elle que nous sommes en train de décortiquer ces sujets importants, l'hypertension artérielle, Oyotobengarana cité, tension. Docteur, vous avez tantôt dit là que l'âge et les sexes sont incontournables. Oui, on ne peut pas éviter. Mais que faire maintenant? Oui, on ne va pas refuser de vieillir quand même. Oui. On n'a pas demandé à Dieu de nous envoyer femmes ou hommes. Ce sont des facteurs qui sont incontournables. Mais dès lors que vous avez l'un de ces facteurs, moi je pense que la meilleure des choses, c'est de réduire d'autres facteurs qui sont observables, parce que l'âge n'est pas observable. Le sexe non plus, mais la réduction de sel, c'est observable. Et même en médecine, nous disons, il faut au fil et à mesure que vous prenez l'âge, vous devez réduire. Maman Bibisha, j'ai bien dit, je n'ai pas dit vous devez éviter, mais vous devez réduire les 4 10, hein? S. Ouais. Si c'est 10, en tout cas, c'est peut-être un élément nouveau pour nos téléspectateurs. 4 S. Il faut réduire les sels, vous avez compris pourquoi, pour éviter l'inondation dans les vaisseaux et augmenter la tension. Il faut éviter les trop de sucre. Il faut éviter le trop de stress. Nous avons compris ce que le stress nous apporte. Et il faut éviter le trop de sexe. Parce que le sexe, c'est peut-être un peu stressant, c'est un peu tout ça. Docteur, les sexes, on dit que il faut brûler des calories. Les calories. Mais quand on fait les sexes, là, on brûle les calories. C'est les encore, calories. C'est encore. Mais comment est-ce qu'encore vous pouvez dire que c'est facteur? C'est pourquoi, maman Bibisha, j'ai dit, on n'évite pas les sexes. Éviter les sexes, là, il n'y a plus de vie quand même. Okay. Nous avons dit, il faut réduire. Il faut réduire et la non fréquence, éviter. Parce que plus on avance en âge, il y a encore beaucoup d'autres paramètres et tout ça. Alors, il faut faire ça, mais de façon modérée. Ok. Pour vivre un peu plus longtemps. Ok. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir comment reconnaître qu'on fait l'hypertension? Oui, c'est une bonne question. Parce qu'à la cité, tout mot de tête n'a pas de malaria. Mais généralement, lorsque vous avez des céphalées ou des maux de tête, mais qui ne s'accompagnent pas dans la plupart des fois de fièvre, là, c'est vraiment un signe d'alarme. Il y a les céphalées, il y a des vertiges, il y a des visions floues, parce qu'il y a aussi des complications vers d'autres organes. Il y a d'autres signes urinaires peut-être, mais grossièrement, nous pouvons prendre les céphalées ou les maux de tête qui ne s'accompagnent pas de fièvre. Vous avez des vertiges. Parfois, vous arrivez à un moment donné, vous vous réveillez, il y a une lourdeur, n'est-ce le boko moko, peut-être pour un bateau, ça la kamwa, AVC. Oyo kalo boko moko, ezo sala lisusu malamute. Lorsque vous avez tous ces signes-là, il faut vite voir son médecin. Il faut vite aller consulter à l'hôpital. Et c'est là qu'on sera
confirmer ce qu'ils ont malaria, ce qu'ils ont hypertension, ce qu'ils ont anémie. Mais au niveau de la maison, on ne peut pas conclure directement qu'on a mis la tension. Maux de tête. Vous prenez un antipaludéen, non. Il faut aller consulter le médecin. Ok, docteur, merci. Est-ce que l'hypertension artérielle, de cette hypertension, peut découler des complications? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître ces différentes complications? Oui, l'hypertension, nous disons, l'hypertension artérielle donne ou entraîne des complications de la tête aux pieds. Mm-hmm. Mais comme le corps humain a beaucoup de parties, et faute de temps, nous pouvons juste énumérer quelques complications. Oui. En l'occurrence, ce que nous appelons généralement les AVC, accidents vasculo-cérébral. Oui. C'est-à-dire, au niveau de notre cerveau-là, il y a aussi des vaisseaux, il y a des artères qui irriguent ou qui nourrissent le cerveau. Et avec cette forte pression, cette hypertension, un vaisseau qui est au niveau du cerveau peut se rompre. Ah bon? Alors, lorsqu'on a un accident, c'est-à-dire, Moussissa, il y a cerveau et Pasuki. C'est ce que nous appelons communément AVC. Et ça, accident, il y a vaisseau, il y a cerveau. Alors, cet accident peut survenir de deux manières. Lorsque c'est une forte pression, généralement, qui fait rompre cette artère du vaisseau, on a ce que nous appelons l'AVC hémorragique. Et on a maquila et tangi, et bandit qu'on comprime cerveau. Deux fois, ce qui va intervenir, nous quitter, surtout si la lésion est grande. Okoyo kamuto ba bétier nini kibota ba bétier kibota ba bétier nzete abandoki aganga ki mbalamoko akwei, c'est l'AVC hémorragique. Nous avons dit qu'il y a aussi de graisse. Ba graisse wana pe ekoki kozala na kati ya ba vaisseau ya cerveau kuna. Alors ce qui ba graisse est quoi, tu lobi que le sang sert à apporter de l'oxygène et des éléments nutritifs. Tango ba graisse wana e koti e bouche vaisseau liboso ya obstacle wana cerveau e bandi ko kaoka to lobaka c'est un AVC ischémique, c'est-à-dire e bandi ko se nécroser e komine si lokoni soki zo zo ali susu biloko ali ate e kaoki. Et là ça vient progressivement, ça ne sèche pas comme dans l'AVC hémorragique, ça sèche progressivement. Et d'un coup, vous allez voir que comme c'est le cerveau qui commande tout l'organisme, lorsque ce cerveau est séché en une partie, vous allez trouver que soit un côté devient non fonctionnel, ainsi de suite. Nous pouvons aussi avoir des complications au niveau du cœur. Le cœur qui nous nourrit, lui aussi a ses propres artères. Et lorsque ces artères sont bouchées ou quoi, talaka cœur est comme le cogne et ça lui soque infarctus, infarctus du myocarde ou bien bah complication mususu. Vous allez voir que quelqu'un était calme en train de suivre ceux qui cannent, ceux qui coupent nini, oh à sali crise cardiaque à coucher, alors que il avait son hypertension qui évoluait à bas bruit depuis longtemps, parce que c'est une maladie chronique qui évolue à bas bruit. Alors, d'un coup, la personne fait une crise cardiaque et vous meurt d'une complication de l'hypertension artérielle. On peut aussi avoir des complications au niveau de rein. Le rein qui ne bénéficie plus d'un apport approprié peut aussi entraîner une insuffisance rénale et ainsi de suite. Docteur, est-ce que l'hypertension artérielle peut aussi amener comme complication le manque d'appétit sexuel, par exemple, et faire à ce que les hommes perdent leur vigueur, quoi? Est-ce que ça peut aussi entraîner cela? Oui, c'est possible, hein? Toujours dans le même mécanisme que nous avons évoqué sur haut. Lorsqu'il n'y a plus d'apport, l'organe ne fonctionnera pas comme il faut. Et ça peut vraiment entraîner. Et même indirectement, comme nous avons dit que de l'hypertension au diabète, les complications du diabète, c'est souvent une néropathie, c'est-à-dire la tête des nerfs. Vous savez que notre organisme fonctionne grâce aussi aux nerfs. Lorsque ces nerfs-là ne fonctionnent plus comme il faut, il n'y a plus de vigueur. Okay. L'homme n'est plus vigoureux, ainsi de suite. Lorsqu'on développe l'hypertension, que ce soit une femme, que ce soit un homme, est-ce que les complications sont les mêmes? Ça dépend d'un individu à l'autre.
Ça dépend de l'étendue de la lésion. Mm-hmm. Ça dépend de la prédisposition même de la personne. Parce que quantité, de la même manière, la maladie, mais pas de la même manière. Ça dépend vraiment de la réaction de l'autre, de l'organisme. Ok. Merci, docteur, pour cette précision. Et est-ce que l'hypertension peut se faire soigner? Oui. Il y a un traitement adéquat qui existe? Oui. Là, nous devons aussi vraiment insister. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Très souvent, lorsque le malade vient, et nous avons toujours dit, c'est une responsabilité qui est partagée entre le patient et son médecin. C'est une maladie chronique. Dès lors qu'on vous déclare que vous êtes hypertendu, maman kokendete ke oh musali nzambe songolo abikisinga tout ça, c'est une maladie à vie. Toyokana malam mama bibisha. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Lorsque la personne vous revient pour la deuxième consultation, elle vous dira, bah comme elle a une cure, il y a tension qui réussit là qui n'est pas attaqué. C'est un traitement à vie. Mais avant d'en arriver là, nous avons aussi ce que nous appelons des mesures hygiéno-diététiques. Oui. C'est-à-dire, dans un premier temps, ce n'est pas aussitôt on vous déclare hypertendu, aussitôt on vous met sous un traitement médical. Il y a des traitements que nous appelons des traitements non pharmacologiques, des traitements non médicamentés. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous conseillons, c'est vraiment une éducation sanitaire où nous demandons à titre préventif, même avant de développer son hypertension artérielle, il faut privilégier plus les légumes et les fruits. Je vois même, il y a dans les dessins animés des enfants, où on vous dit 5 légumes, 5 fruits par jour. Oui. Et les téléspectateurs vont nous dire, mais biloko ane za cher. Moi, j'ai toujours dit, à chaque saison, il y a un fruit. Et Dieu connaît le besoin de l'organisme, parce que tous les fruits ne viennent pas au même moment. C'est que c'est selon les besoins de l'organisme que Dieu nous envoie des fruits à chaque saison. Et il y a de ces fruits qui coûtent même un petit 200 francs. Et puis, lorsque nous disons 5 légumes, j'ai toujours dit, soko tchè mwandembi, tchè ndundo, tchè aubergine, vous constituez autant de légumes dans un même menu. Ah, c'est un peu ça. Et pour ce qui est de la viande? La viande, nous avons dit qu'il faut privilégier les légumes, que la viande, et ce n'est pas n'importe quelle viande, c'est la viande rouge. Oui. Et parmi les viandes, il faut privilégier ce que nous appelons la viande blanche, les volailles, les poissons. Nous pouvons aussi conseiller les chenilles. Toujours négliger bambizo, alors que bambizo est au biki sabiso, et ça pour prévenir, biso to éviter bani. Et la viande rouge, peut-être nos téléspectateurs peuvent demander pourquoi on doit éviter la viande rouge. La viande rouge contient le cholestérol. Donc, il y a une parenthèse, maki mama bibisha. Les œufs. Vous allez trouver quelqu'un qui est obèse, qui est gras. 5 maki. Ce qui a commis un bon omelette, il faut être à la épaisseur. Dans l'œuf, il y a le cholestérol. Le cholestérol, nous disons, c'est une mauvaise graisse. C'est vraiment l'ennemi en moto pour un facteur où ils ont entraîné l'hypertension. Alors, la viande rouge a le cholestérol. C'est pourquoi nous préférons la viande blanche que la viande rouge. On ne défend pas de manger la viande rouge, mais tout excès nuit. Depuis que nous avons commencé à dire, nous déconseillons tout excès. Ok. Docteur, là, c'est tout ce qui est de mesures non médicamenteuses. Oui. Mais à part ces mesures, est-ce qu'il y a des mesures médicamenteuses? On peut connaître. Oui, il y a des mesures médicamenteuses ou les traitements médicamentés que nous ne pouvons pas donner ici pour éviter peut-être l'automédication, pour dire non, docteur Alobaki, besoin amlodipine, besoin anticalcique. Là, c'est l'apanage du médecin qui vous traite. C'est l'apanage du médecin. Même s'il vous a déjà prescrit, il faut avoir la culture de revenir, de rentrer, parce que l'hypertension, la tension qui est en place aujourd'hui, ce n'est pas la même tension de demain ou d'après-demain. Et l'avantage de consulter un médecin, parce que le médecin va vous donner une éducation sanitaire, le médecin va vous donner une psychothérapie de soutien
parce que c'est un traitement à vie, il faudra quand même des bons conseils pour que le malade puisse parvenir à adhérer bien au traitement. Et c'est le médecin qui pourra savoir que pour tel problème, pour tel cas, nous pouvons donner telle famille d'antihypertenseurs. Oui. Mais docteur, maintenant, quand est-ce qu'on peut faire les dépistages pour connaître si on a l'hypertension artérielle et comment? Oui, il y a trois possibilités. Nous devons vraiment cultiver. Nous devons avoir la culture des check-up. Les gens ont toujours dit non, ils achètent tout ça. Et moi, je réplique pour dire que Sergei n'a les boulots, n'a espace, ils ont plus cher que consultation médicale, maman Bibicha, Oyokokende, pour Oyeba, Nzotonao. Et ce n'est pas tous les jours, peut-être tous les 6 mois. Biloko tozo lia, makambo tozo sala, coûte plus cher qu'une consultation tous les 6 mois, par exemple, ou une fois par an. Donc, faut tout ça là. Alors, il faut avoir la culture des check-up. Parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit, une maladie chronique. On peut aussi découvrir lors d'une autre maladie, aucun de qui, aux en a fièvre et tout ça, et le médecin prélève ce que nous appelons les signes vitaux à tous les malades. Et on peut découvrir qu'il y a un problème d'hypertension lors d'une autre consultation. Ou carrément, la troisième possibilité, c'est que lorsque vous avez les signes que nous avons évoqués ici haut, vous devez vite aller consulter votre médecin et lors du prélèvement de la tension, il peut se rendre compte qu'il y a élévation de la tension. Même si nous avons dit que ce n'est pas en une prise, mais 2 fois en une seule prise, on peut conclure. Parce que le médecin va chercher les antécédents, ce que nous appelons les antécédents familiaux, les antécédents personnels, ainsi de suite. Alors dans la famille, si un père, un grand-père, tout ça, à Koufana tension, et que oye na ba céphalée, na ba lourdeur, ba signe moko boye, tosu tension na o eza très élevé. Directement, nous pouvons vous soumettre sous un traitement avec des mesures hygiéno-diététiques accompagnées. Oui, comme je le disais tantôt, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler de l'hypertension artérielle avec le docteur Shadi Marisha, et qui est coordonnatrice de l'ONG AFI Santé. Elle nous a dit qu'il faut faire des exercices physiques, il faut bien surveiller l'alimentation et il faut se faire dépister, c'est-à-dire faire les check-up, avoir l'habitude de faire les check-up. Docteur, dites-moi, quand on est par exemple à l'hôpital pour se faire consulter ou bien se faire dépister, voir si on a l'hypertension artérielle, comment est-ce que cela se, comment ça se fait ? La procédure pour que cela soit vraiment un résultat fiable. Oui, généralement, c'est comme nous venons de dire, lorsque le patient arrive dans un box de consultation d'un médecin ou d'un infirmier, nous avons toujours ce que nous disons, le fait blouse blanche. Le fait d'être devant son médecin, ça fait un peu stresser. Et nous avons évoqué surtout que le stress augmentera la tension. Et la marche, peut-être à force de faire un exercice physique, cet effort-là peut accélérer aussi la tension. Alors, un malade ou quelqu'un qui vous consulte, qui arrive, doit d'abord se reposer même pendant 5 minutes avant de prendre la tension. Lorsqu'il se repose pendant 5 minutes, vous gagnez aussi sa confiance. Vous essayez aussi de le rassurer. Et lorsque vous avez gagné sa confiance, vous l'avez apaisé, tout ça, là, vous pouvez prélever facilement votre tension et vous aurez des chiffres qui sont fiables. OK. Et la prise de la tension, là, au Tonobaka, est-ce que ça, là, en gros, quand à ceux qui naillent, par exemple, je m'amène à l'hôpital, on fait tout ce que vous avez dit là, napemi, tout ça. Quand on prend la tension, on constate que Isa Komata. Est-ce que pour conclure que Ngana est hypertendu, il faut que l'examen soit à combien? Car les mêmes jours, il faut que... Oui, ça dépend. C'est ce que nous avons dit tantôt. Nous avons dit, soit nous tenons compte de la clinique et des antécédents. Mais si c'est de façon fortuite, Oyaki pour na moi fièvre, pour na moi kosu, et on trouve que la tension est élevée, des fois c'est lié à votre stress. Ou à votre, peut-être pendant la fièvre, lorsqu'on a la fièvre, la tension peut aussi s'élever. Alors, l'unique prise ne conclut pas qu'on est hypertendu. Il faut traiter la maladie en place et vous donner un rendez-vous. Et la prochaine fois, vous prenez encore la tension, même 2-3 fois. Et si c'est toujours élevé, vous allez dire que c'est une tension que nous avons découverte
de façon fortuite. Ok, oui. Ok, merci beaucoup docteur. Vraiment, tous les détails sont belés par rapport à l'hypertension. Ngonga eza ngonga, tokoki kozwa temps ebele te eza télévision. Toyebi ke bato oyo bazana na ba question ko poser bakoki ko sala yango a partir ya numéro ya téléphone oyo eza affiché na ba ya ba petits écrans na bango. Docteur, maintenant là moni ne loko nini ko loba, quel est le mot que vous pouvez dire loko la mot ya fin pour que bato ba yeba na ko comprendre makambo oyo tozolo bela sur l'hypertension artérielle? Oui, je peux peut-être me référer à un adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Nous avons compris que l'hypertension, c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Alors, autant, même si vous êtes prédisposé, il faut prévenir, il faut observer toutes les mesures qui vous évitent à vous exposer à l'hypertension. Là, c'est de un. Et lorsque, une fois l'hypertension, malgré toute l'observance, une fois l'hypertension est installée, il faut prévenir les complications. Parce que les complications sont catastrophiques. Alors ne paniquez pas, suivez seulement les conseils de votre médecin et vous allez vivre longtemps, vous allez vivre à l'aise et tout va bien se passer. Vous êtes responsable d'une structure, AFI Santé. Par rapport à ces sujets que nous sommes en train d'aborder actuellement, l'hypertension artérielle, AFI Santé à Salaranine, ou bien à Salinine, à prévoir qu'au Salanine, est-ce que AFI Santé fait quelque chose pour essayer d'aider la population à lutter contre cette maladie ou contre les hypertensions artérielles? Oui, nous disons qu'avec AFI Santé, nous sommes en train de concilier nos compétences médicales et nos cœurs de maman, même si nous avons quelques hommes genrés, et nous sommes dans la médecine préventive. C'est-à-dire baminganga balongwe na ba box parce que d'habitude tout le monde a qu'il faut bato ba belande balandi biso na hôpital. Mais nous nous sommes rendus compte que précarité, pauvreté ba makambo belé et sur ça la keto ya mortalité mama bibisha suko okeyi ata na cinquantenaire ata na ba mort que mususu. On dirait bibembe comme belé ko le kabato na ba mbeto ya hôpital. Alors nous nous sommes dit allons vers ces communautés. Tout ça la médecine préventive. Yangoana, nous sommes dans les maladies métaboliques, ndengolobaki ne bandeli, diabète, hypertension, ba maladie cardiovasculaire, lokola, ba maladie infectieuse, lokola, toza vraiment au sein ya ba communauté. Et yangoana to pesaka pembela, soki ba ndeko na biso ba réunion ba mama na ba église, na ba école, ba nini, ba to nyonso ba responsable oyo ba koki ko benga biso. Même à travers Bino, même à travers siège, na biso na PNMLS na local 14, bakoki kozwa biso to zalaka compliqué te to zawana pona bango to kokende ko sala ba dépistage wana na bisika oyo bato bazali nde musala biso to saraka po to sauver ba vie po to kutaka vraiment ba te belé moto azo tambola mais attention na ye abela attention à mi ébité musala na biso yango wana AFI Santé. Merci beaucoup docteur Bouza na PNMLS pour na koyamba boyamba kana bino batu nyonso local lobi local combien? Local 14 local 14 au komiwana. Vous pouvez juste demander auprès de docteur Chadi, vous allez d'ailleurs trouver l'équipe qui est là qui vous peut vous accueillir et ça là bien. Merci beaucoup. Ça ba conseil. Oui. Il y a ba maladie nyonso hein. Ata sur le sida, sur l'hypertension, sur le diabète, sur le Covid, tout to pesa ba conseil. Mais to traite kana kati ya localité parce que ko traiter eza na bo plutôt ici ka tozo ça. Mais pour na ba conseil, toza na PNMLS local 14, toza na église, toza na ba regroupement communautaire. OK. Merci beaucoup docteur Chadi Marisha pour votre disponibilité. Merci d'avoir été à la hauteur et répondre aux différentes questions et aux différentes préoccupations des nos téléspectateurs et par rapport au sujet retenu ces jours. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Bisogno soto comprendre que tout le monde tozara na tension. Maintenant, hypertension, et comme ratango ba chiffre mataka, eza causé na ba makambo o nyoso docteur. Et en tout cas, merci beaucoup. Ma porte, il y a santé et société, et Tikali Kaka ouverte
Pona Koyambayo Lissousou. Nous serons enchantés de vous accueillir une fois de plus sur ces plateaux et pour traiter d'un autre sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ben voilà, fidèles téléspectateurs, vous qui venez de nous suivre, nous venons de parler de l'hypertension artérielle. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. J'espère que ce que le docteur nous a dit vous a été bénéfique. Et s'il y a des préoccupations, vous pouvez toujours nous envoyer des messages sur WhatsApp ou nous appeler carrément sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Nous disons un grand merci au PDG Alexis Mutandangoimwana, les responsables du groupe de presse CNTV, Tempête Tropique et Trinitas FM. Grand merci à l'équipe rédactionnelle de CNTV, l'équipe rédactionnelle des Tempêtes des Tropiques et Trinitas FM. Et surtout, merci beaucoup à l'équipe technique des Santé et Société, à tous les techniciens qui nous ont aidés aujourd'hui pour la concrétisation de cette émission. Je vois Yves Mukendi, Daniel Chisungu, Rigen Maléou, et Padou Bomboussa, sans oublier Serge Luamba au montage. Si Dieu ne revient pas bientôt, nous allons nous revoir pour un autre numéro. Au revoir et à la prochaine.